Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce nouveau let's play sur la chaîne. Il s'agit d'Extinction. Alors, Extinction, pour vous situer, c'est un mélange entre l'attaque des titans, Shadow of the Colossus et un monde médiéval fantastique traditionnel, dans le sens où on aura des monstres genre orcs de toutes les tailles qui vont attaquer, et nous, eh bien, on va devoir s'affronter, les affronter plutôt, et réussir au moins à tuer les géants. Mais vous le verrez en jouant, enfin, en tout cas, en regardant le let's play, si vous le voulez. Je mets toujours le lien sur Instant Gaming pour l'acheter dans la description. C'est un jeu Steam et voilà, il est disponible depuis le 10 avril et on va tout de suite lancer la campagne. Alors j'ai déjà fait les deux premières missions du premier chapitre pour voir un peu comment ça se jouait, voir si l'enregistrement passait bien. J'ai pas mal d'argent avec ça, mais on va recommencer depuis le début. L'ennemi aux portes. Des éclaireurs chacals ont été dépêchés à l'avant de l'armée Raveni. Avil doit évacuer les habitants de Tablis avant que les chacals n'envahissent le village. Donc, les chacals, ce sont les petits orques à taille humaine. Les Raveni, ce sont les orques dans leur globalité, mais ils l'utilisent surtout pour parler des très grands orques. Avil, ça ce sera mon personnage, doit évacuer les habitants de Tablis. Tablis c'est la ville où je suis, avant que les chacals n'envahissent le village. Ok, objectif, sauver 15 civils. Et objectif secondaire, tuer 6 chacals, sauver un civil sur un toit, terminer la mission en moins de 5 minutes. Ok, eh bien on va commencer, c'est parti. Alors il y a moyen de jouer aussi bien à la manette qu'au clavier souris. Moi je préfère clavier souris. Question de d'habitude. Alors ça charge et on est parti. As children, we were told that our world once had heroes. Fairy tales to inspire hope in a world with none. As far back as anyone could remember, mankind had been at war with itself. Orphaned, like so many, I survived by the sword and my wits. Neither of which kept me from being sent to a labor camp. It would have been a death sentence had I not made a friend. Avil kept me safe, and I kept him sane. And together, we would change the course of history. Voilà, petite histoire. J'adore le style graphique, aussi bien donc des cinématiques que maintenant le jeu en lui-même. Did you make it to Delorum? Yes. I've almost reached the village of Tablis. You were right, Sandra. This place is completely untouched by the invasion. Have you made contact with the royal army? No. And I'm not exactly getting a warm reception from the locals. I'm sure they can be seduced by your charms. I was joking, sort of. They may, however, find you more appealing than the jackals about to descend on Tablis. In moments like this, I actually find myself missing your company, Zandra. How long do I have before the jackals arrive? Not long. If you don't act quickly, the villagers will be slaughtered. I've teleported escape crystals onto the battlefield. You need only use one of the runestones I gave you to activate them. I'll leave you to it.
Someone help! The jackals are hunting down civilians. Use your basic attacks to slay them before they slaughter the villagers. C'est parti. On y va. Avil, voilà. Basic attacks to dispatch the jackals. Great work. Now charge the crystal to activate the portal and rescue the civilian. Très bien. Allez, on y va. I don't understand what's happening. What are those things? Who are you? My name is Avil, the last of the Sentinels. I am here to ready your people for war. I don't know anything about fighting monsters. There is something you can do for your people. Something that will save thousands of lives. Tell me what to do, and I'll do it. Take this gemstone, and personally see that your king receives it. And when he does, tell him to speak my name into the stone. Très bien. The enemy has started killing civilians. Avil, you must act quickly. Voilà. Thank you. Gods protect you. Alors, c'est parti. Next time, dodge just before an attack hits you to avoid taking damage. If you're ever lost, you can review your objectives at any time. Très bien. Alors, another refugee is safe thanks to you. Yep. Voilà. The people of Delorum shall be indebted to you, Avil. Parfait. Yep, il y a du monde. Good to see my portals are holding up. Allez. I could have sworn that one had you beat. Some people have climbed onto their rooftops to hide from those monsters. Too bad I'm not much of a climber myself. If I jump onto the side of the building, I can climb up the wall to reach the top. Voilà, petit tutoriel pour dire hop, je peux grimper et... Thank goodness someone's come to help me. I climbed up here to try and escape those beasts, but now I can't get down. You're safe now. Alors, il y a des civils ici. Nice job, Avil. Keep up the good work. Et hop, 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 allez. Voilà. Avil, congratulations. You're still alive. Portals are opening as you said they would. I was able to send many of the townspeople to safety. It isn't enough. I know. I sent your speaking stone off to the king. We'll see if he, in his royal wisdom, sees fit to make an alliance, or if he is as foolish as those who fell before him. I know how you feel, but we're out of options. We will need to coordinate with the royal forces to fight the coming hordes, and we're going to need them soon. The jackals I killed, they were scouts. Yes, I hope you're ready, because the Raveni will be attacking soon. Voilà.
Parfait, réussite, sauver 15 civils avec les 3 objectifs bonus, c'est bon. Allez, on continue. Donc, mission suivante. La colère du titan. Un Raveni a été repéré à proximité de la ville de Pétral. Avil doit protéger les abords de Pétral pendant qu'il attend la réponse du roi. On est parti. Alors, détruisez des armures, tuez des chacals, terminez la mission en moins de 7 minutes. Ok. So far, nothing but silence. Avil, we will need alliances to win this war. The most expedient way to convince the king of our intent is to continue fighting for his people and defending his cities. And when you do speak with the king, may I suggest employing a morsel of diplomacy? I will think on it, Sandra. Now, tell me of our enemy. What is their location? Last we spoke, they were on course for Petrol. You've arrived just in time. The Horde has almost reached the city limits. Now go, and show the people of Petrol how a Raveni dies. Okay, déjà. Executing Raveni requires rune energy. Charge your rune energy by killing jackals and rescuing civilians. Another refugee is safe, thanks to you. Très bien, on continue. You saved the right man. I am a spice trader, the richest in all of Delorum. Anything you want, my friend, I will make it yours. I need you to simply send a message to your king. I gave him the means to contact me directly. Have him do so immediately. Allez, très bien. These refugees are lucky you showed up in time. The citizens of Delorum are lucky to have you, Avil. Look who's early. Avil, get after that Raveni before he starts destroying the town. Non, déjà. Hop. Allez, je dois grimper. Voilà. Voilà, très bien. Et là, on est parti pour... le gros. Avil, you remember how this works. Hold your rune strike and aim at the Raveni's armor and limbs. Release rune strike to attack. Et hop. Alors là. Et une armure. Great job of removing a Raveni's. Once you have enough, now ouais, on s'en fout. Strike just below parce que là, il allait me tuer. To sever its leg. Et hop, aïe, il m'a touché, j'ai presque plus de vie. Et il m'écrase. Dommage, mais c'est pas grave. Je perds du temps, c'est tout. Puisque je ressuscite. Et je suis loin. Hop, on va passer par là. Allez. Et c'est parti. Alors, j'ai détruit ces deux armures. On va lui couper sa jambe. Voilà. Now finish this. Climb to the base of the Raveni skull. The ogre's neck will glow when you can target it for your rune strike. Et quand je disais que c'était l'attaque des titans, voilà pourquoi. Hop. Donc, voilà. Et là. Now, Avil, execute the Raveni. Voilà, et on coupe la tête. Et là, il meurt. Great
work, Avil. That's one less Raveni we have to kill. It's a drop in the ocean. If we don't begin coordinating our efforts with the Royal Army, we will soon be overrun by their numbers. When word of your bravery reaches the King, he will be compelled to trust you. And while we wait for the Fool King to gather his courage, the Raveni marshal their forces. You are more right than you know. Another horde is approaching, and this one is better armed. The next town will not be as fortunate as the last. Voilà, et c'est tout ce que j'ai fait pour tester le jeu. Bon, j'ai pas tué Wishakal, mais c'est pas grave. Alors, S compétence. Là, on peut acheter des choses, donc de la vie. On a déjà des compétences au max. Avec des combos avancés d'ailleurs, hein, enfin des combos. On verra les combos après. On peut ici augmenter quoi? C'est sauver les civils 30% plus rapidement. Portail rapide, ok. Et pied léger, rebondissez 20% plus haut sur les au vent et les arbres. On va garder de la vie. Voilà, et le saut, allez. Voilà. On est parti. On continue, troisième mission. Le géant de fer. Sans toujours aucune nouvelle du roi, Avil rencontre un Raveni en armure lourde qui se dirige vers Dolorum. Ok, objectif principal, exécuter le Raveni en armure de fer. Médaille bonus, 4 pièces d'armure, tu as détruire, tu as un Raveni avec les deux jambes intactes et terminer la mission en moins de 6 minutes. Sachant que si je coupe une jambe, elle va repousser quelques secondes, minutes après. Hein. Ok, c'est parti. Avil, you've arrived just in time. The first of the Raveni are already approaching the town. I see you finished deploying the escape crystals as well. I'll slay this monster and save as many as I can. Avil, that Raveni seems to be wearing some kind of heavy armor. Are you sure you can handle it? You worry about getting your crystals to the surrounding town, Zandra. I'll worry about the Raveni. D'accord. Alors, on est parti. Faut trouver des... Avil, remember. Executing Raveni requires rune energy. Charge your rune energy by killing jackals and rescuing civilians. Alors ensuite, là-bas il y a des civils. Alors tant que j'ai pas mon épée qui est complètement chargée, je ne peux pas les taper vraiment. Mais maintenant, ouais, je suis plus ou moins bon. Je vais aller détruire ces armures. Ok. Les serrures. Alors serrure là. Oh, doucement là, toi. Et hop, on lui coupe la jambe. Allez. Aïe aïe aïe, ça bouge. Allez, hop, l'armure.
tender them momentarily. After a short time, the Raveni will regenerate its severed limbs. Raté. Allez, on lui coupe les jambes. Il faut que je détruise son casque. Sinon... Allez. Allez, allez. Voilà. Bingo. Voilà, il y a sa jambe qui revient. Alors. Ah voilà, voilà. Ça sert à ça la cible. Ok. Et c'est parti. Voilà. Un petit succès. Exécuter le Raveni en armure de fer. Nice work, Avil. These people owe you their lives. This time, Sandra. But what of the next? And the next? Without the King's aid, we're relegated to a single battlefield, while the Raveni push forward on multiple fronts. You're right, Avil. Which is why we must convince him to join us. This war will not be won by swords alone. Ok, parfait, réussite. 1, 2 et 3, parfait. Amélioration disponible. Eh bien, on va augmenter ici. Voilà. Et on continue. Nouvelle compétence déverrouillée. Acheter maintenant combat expert. Ok. Ça tombe mal, je viens de dépenser. Ok. Proposition royale. Les ennuis arrivent dans la ville de Multnomah au moment même où le roi Yarrow donne enfin de ses nouvelles. Avil doit défendre Multnomah, je vais réussir à le dire, contre les forces Raveni d'invasion pour gagner la confiance du roi. Défendez la ville de Multnomah, sauvez 16 civils, terminez avec une jauge d'extinction de plus de 30%, terminez la mission en moins de 8 minutes. Ok. Eh bien, on y va. Donc la jauge d'extinction, c'était le... You have requested an audience. On va attendre. This is Avil, the last sentinel, and I wish to strike an alliance with your highness. Was it your sorcery that created this speaking stone? My ally, Zandra, crafted this instrument, and others from the weapons of our enemies. If your boons are so great, why do you seek an alliance? King Yarrow, I cannot be everywhere. At this moment, I am approaching Multnomah, where a deadly horde approaches. Multnomah? No, that's too soon. I dispatched a garrison to the city, but they won't arrive in time. If you are as skilled as I have heard, Avil, then please, save as many of my people as you can. Ok, c'est parti. Alors, on va déjà sauver ceux-là. Good to see my portals are holding up. Alors vous voyez, j'ai un grappin et non, je ne vois rien. Je dois avancer vers un civil a été tué. Of the town is destroyed or its people killed, we will have failed. Okay. Allez, on y va.
Alors toi ici. I need my rune energy fully charged to execute this, Raveni. Avance pas trop vite toi. Et hop. Great job. Keep it up. Non, je suis pas encore. Aïe. Voilà. Ça c'est fait. Et allez, on recommence, enfin, on continue. Allez, allez, non, non, non. Waouh. Voilà, j'ai coupé une jambe. I'll have to charge up my rune energy to take this thing down. Et je ne peux pas, je vais aller tanker à terre. Je vais sauver encore des gens. Non, mais où est-ce que tu vas toi? Allez. Raté. Toi tu bouges pas. Fallait que je grimpe. Oui, ça doit faire mal, oui. Donc 81%. Ouais, je voudrais bien trouver. Hold your rune strike to execute the Raveni. Ok. Hop, j'exécute le Raveni. Et c'est tout. Your work here isn't done yet. That Raveni you just executed wasn't the only one. D'accord. C'était pas le premier. Enfin, c'était le premier, mais pas le dernier. Là, il faut que je recommence. When you execute a Raveni, your rune energy will begin to drain. You will need to build it up again in order to execute another Raveni. Allez, on est parti. It looks like this Raveni brought along a friend. Hop, purée. ça va être compliqué. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, bon bah lui, hein, parce que c'est le plus proche, mais pour l'instant j'ai pas. Allez, 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 et hop. On lui coupe la jambe. Protect the city and its people. If it falls, we have lost. Yep, il y a des petits. Aïe. Get back in there, Reveal. Bon, 56%. Je vais devoir aller taper l'autre, hein, c'est. Allez. Il est où? Il est là-bas. Allez. Avil, you must protect the city and its people. If it falls, we have lost.
I should build more rune energy. Allez, on lui coupe la jambe. Oh, j'ai chaud. Et je me fais écraser. Bon, 38%, j'aurais certainement pas le 30% de... Bon. ça pique un peu. Il est de retour debout. Hop. Allez, on lui coupe la jambe. Comme ça, il bouge plus. On va derrière. On saute sur son dos. Il y a un collier. Hop. Now, Avil, execute the Raveni. Oui, oui, ben deux secondes. Raveni forces are destroying the city. Avil, you must stop them. Voilà. Avil, what are you doing? The Raveni are destroying my kingdom. Bien, alors ici toi. Et hop, je te coupe la jambe. J'ai esquivé à temps. C'est quelque chose de très fluide hein, au niveau combat. Ok, alors t'es où? T'es juste là, très bien. Je te coupe une jambe. Voilà. Je te coupe un bras. Raté. Hop. Great job. Keep it up. Allez, on lui recoupe une jambe, tu bougeras pas. Oui, oui, mais deux secondes, je suis occupé là. Allez, on lui coupe un bras. Je peux pas. Allez. Hop. Raté. Allez, je lui coupe un bras. Je grimpe sur son dos. Et hop. Il est là son coup. Voilà. Bon, c'était moche. Vu qu'il restait 10%. Many of my people owe you their lives. We are still losing too many. I agree. Your ally... Xandra. She creates your weapons. The Raveni use a rare mineral to travel between worlds. Xandra was able to fabricate this talking stone and our own portals from similar materials. I have at my disposal some of the most gifted alchemists. And even they do not understand the properties of this talking stone. Xandra is brilliant in many ways. Yet as skilled as we are, she and I will not be enough to win this war. Will you combine your forces with our own to defeat this enemy, Your Highness? Initially, I was reluctant to believe your claims. I had always thought the Sentinels to be a myth, a story to put children to bed. And now? I believe. Ok, bon ben voilà.
Réussi, défendre la ville de Multinoma. On a sauvé 16 civils, mais le reste, ouais, bon, ben, tant pis. On a gagné des compétences, ou en tout cas, voilà, combat expert qu'on ne peut pas acheter, on ne peut rien acheter. Ok. Ah, il y en a d'autres ici encore. Ralentir unique. Gravité runique et surcharge d'énergie runique. Bon, ben ça, ce sera pour bien après. Ok, bon. On s'arrête là. Nouvelle compétence déverrouillée. Très bien. Voilà. On a fini le premier chapitre de la campagne, ça va quand même encore assez vite. On reprendra dans le prochain épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces en l'air, important. Abonnez-vous et bien entendu pour ne pas rater la suite. Et activez la petite cloche si vous voulez être prévenu tout de suite des nouvelles vidéos. Et enfin, eh bien, portez-vous bien. Bye !